Allez, on reparle de la réforme des retraites. Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il en parle encore, il radote, le Jaco. Parce que le Figaro, c'est intéressant, a pu se procurer une version a priori récente du fameux rapport Delevoye, le commissaire en charge de la réforme. Rapport qui sera remis a priori au Premier ministre avant l'été, avant le 14 juillet. Et de ce rapport, il y aura des préconisations, des recommandations. Devra découler un projet de loi qui, selon toute vraisemblance, sera présenté à l'automne, a priori en novembre, en Conseil des ministres, et voté au Parlement, évidemment, en 2020, juste avant les élections les municipales. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE et économiste. Ça a discuté beaucoup, hein, pour le coup. On a préparé le terrain avec le haut-commissaire. 18 mois de consultation. C'est pas concertation, m'a dit d'ailleurs le patron de FO quand il est venu ici. C'est pas la concertation, c'est de la discussion, même pas la négo. Hein. C'est une sorte de discussion entre le haut-commissaire et les partenaires sociaux. Depuis 18 mois, c'est un dossier qui est explosif, on le sait bien. L'heure de vérité, on va rentrer en détail après. Hein. L'heure de vérité approche parce que c'est anxiogène pour les Français, encore une fois. Et que pour le gouvernement, il ne peut pas se louper, parce que derrière, juste après, il y a les municipales aussi. Oui, alors il y a effectivement plein d'éléments dans ce sujet. Il y a un élément que Jean-Pierre Delevoye a vraiment mis en avant, qui est de restaurer la confiance des Français dans leur système de retraite. On a beaucoup parlé des retraites et de leur non-soutenabilité dans le long terme. En fait, il faut cesser de se faire peur avec le système de retraite. Et il faut essayer de redonner confiance dans le système de retraite. Bon, un des éléments... Il y a des besoins de financement horizon 2030-2040, mais ça reste gérable. Ils sont déjà largement adressés par les réformes de retraite précédentes qui ont été faites. Et donc maintenant, la question est plus de mettre de la justice dans le système de retraite, de la lisibilité, que tout le monde comprenne comment il fonctionne, et de bâtir aussi des éléments de confiance, c'est-à-dire si jamais il devait y avoir des besoins de financement, que cela apparaisse clairement, ouais. Et que les règles pour trouver ces besoins de financement soit aussi établi assez clairement. Il y a des besoins de financement, encore une fois, mais qui ne sont pas colossaux. Il disait d'ailleurs, le haut-commissaire, on est un petit pas de côté, pardon, mais l'âge d'équilibre du système, il dit, c'est 64 ans. Aujourd'hui, en moyenne, on part de manière effective juste en dessous de 63 ans. On n'est pas loin. On n'est pas loin de l'équilibre du système. On n'est pas loin de l'équilibre du système, d'autant que l'âge de départ à la retraite continue de s'allonger. Au travers des réformes précédentes qui ont été prises. Et des hausses prévues de durée de cotisation. Et des hausses prévues de durée de cotisation, donc les périodes pendant lesquelles vous devez cotiser avant d'avoir une retraite à taux plein. Et donc, on n'est vraiment pas très loin de, effectivement, l'équilibre du système complet. On donne le chiffre, en 2030, j'ai plus ça en tête, je crois que c'est 5 ou 7 ou 8 milliards, un truc comme ça, de déficit. Voilà, et c'est surtout beaucoup, beaucoup moins que nos principaux partenaires européens. Donc là, la France bénéficie à la fois des réformes qui ont été faites, qui ont commencé avec Balladur en 93, mais aussi d'une démographie qui est un peu plus favorable que dans les autres pays et qui change beaucoup pour les questions d'équilibre des systèmes de retraite. Encore une fois, c'est Figaro qui ressort tout ça, enfin ce rapport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, il y a ce qui est acquis pour l'instant et il y a ce qui reste à trancher. Dans ce qui est acquis sur cette réforme des retraites et qui a priori ne bougera plus, rapidement on les repasse en route, c'est quand même hyper intéressant. On est bien, on reste bien, on le rappelle sur un système par répartition. Ça ne bouge pas, avec cette idée de régime universel, 1 euro de cotisé donne les mêmes droits pour tout le monde, salariés, fonctionnaires indépendants, ça c'est tranché, il n'y a plus de sujet là-dessus. Alors ça c'est tranché, il ne faut pas aller trop vite, c'est un des grands principes pour donner plus de lisibilité au système. Donc 1 euro cotisé, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est cotisé, indépendant, fonctionnaire, salarié, en début de carrière, en fin de carrière, va donner droit au même droit, donc le rendement de cet euro va être constant à travers le temps. Alors ça, c'est un grand principe. Ensuite, il va falloir adapter ce grand principe à un certain nombre d'autres questions qui sont des nécessités dites de solidarité dans le rapport Delevoye. Ces nécessités de solidarité, c'est de prendre en compte les enfants, c'est de prendre en compte les interruptions de carrière et les périodes de chômage. Ouais, ouais. C'est prendre en compte... un certain nombre d'événements dans la vie des individus. Et ça, c'est pas tranché pour le coup. Combien de points va-t-on recevoir on a une période de chômage, quand on est malade, quand une femme est enceinte? Il y aura des points qui seront attribués, mais on ne sait pas combien. Ça reste à trancher. Alors, ça reste à trancher et il va falloir le comparer avec le système actuel. C'est-à-dire, est-ce que ce nouveau système, avec cette prise en compte de ces situations-là, conduira à moins de redistribution ou à plus de redistribution vers ces cas particuliers. Parce que de façon générale, le système de retraite opère assez peu de redistribution en fonction des revenus, un petit peu pour les faibles retraites. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui est aussi déjà annoncé comme étant un des axes de la réforme. Donc c'est revaloriser les petites retraites.
Donc ça opère assez peu de redistribution. Par contre, ça opère beaucoup de redistribution en fonction de votre situation familiale et des interruptions de carrière que vous avez eues pour des raisons de maladie, pour des raisons de maternité ou pour des raisons de chômage. Bon, dans ce qui a priori semble aussi relativement tranché par le gouvernement, il y a l'entrée en application de la réforme. Le Figaro nous dit janvier 2025. Et là, ça, on sait que donc, en gros, voilà, à partir de ce moment-là, on entrera dans le nouveau système. Donc pour ceux qui partent avant, ils ne seront pas concernés. Oui, et les modalités d'entrée dans ce nouveau système seront quand même très progressives, puisqu'on va passer d'un système tel qu'il est aujourd'hui d'ouverture de droits, qui sont d'ailleurs assez différents sur les différents régimes, à un système de points généralisés. Et on ne peut pas reconstituer en fait les points pour toutes les carrières aujourd'hui, donc on ne pourra pas faire rentrer tout le monde dans le nouveau système. Donc ce sera progressif. Progressivement, et sa pleine application arrivera en fait assez tard. Oui. Dans ce qui est a priori clair aussi, c'est que terminé dans le mode de calcul, avant, aujourd'hui encore, on calcule la pension sur les, dans le privé sur les 25, les meilleures 25 dernières années, et quand on est fonctionnaire ou dans le public, les 6 derniers mois. Ça, a priori, c'est fini, il n'y aura plus cette idée de durée. Alors, il ne devrait plus y avoir cette idée de durée, c'est-à-dire que le système devrait être le même pour tout le monde, donc hein, d'une certaine façon, une convergence des régimes vers un seul régime qui sera le même, donc à la fois pour fonctionnaires, salariés du privé, qui sera aussi dans une certaine mesure le même pour les indépendants, et puis qui sera le même pour retraite du régime général et retraite complémentaire, puisque aujourd'hui, par exemple, les salariés du privé sont dans les deux régimes, un système à points, celui des régimes complémentaires, et un système en fonction de votre carrière avec un taux de remplacement qui est calculé sur les 25 meilleures années quand vous êtes dans le privé. Donc là, il y aurait convergence. Alors, cette convergence, elle n'est pas encore totalement claire parce que, certes, les fonctionnaires ont une retraite qui est calculée sur les 6 derniers mois, mais toutes les primes ne sont pas comptabilisées dans la rémunération. Donc là, la logique voudrait, encore une fois, un euro cotisé, quelle que soit sa nature, qu'on prenne en compte les primes, ses primes, et qu'elles donnent lieu à cotisation, mais qu'elles donnent lieu aussi, qu'elles interviennent dans le calcul de la pension de retraite ensuite. Ouais. Sur la durée, encore une fois, sur le fait de travailler plus longtemps, on a compris, le président comme a été assez clair, pas touche à l'âge légal de départ à la retraite, ça reste à 62 ans, mais il y a ce mécanisme de décote, de surcote, pour pousser, pour inciter à partir plus tard. Ça, c'est acté, ça aussi. Il y a deux mécanismes, en fait. Il y a l'âge de départ possible pour la retraite à taux plein, donc 62 ans, qui ne sera pas modifié. Il y a ensuite la durée de cotisation, qui est quand même un paramètre important. Il n'y aura plus de durée de cotisation, alors, puisqu'on a un système à points. Il peut y avoir un paramètre qui déclenche et qui augmente. En fait, la surcote et la décote, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire, plus vous cotisez longtemps, plus... Donc, il y aura toujours une durée de cotisation implicite. Donc, il y a toujours une durée de cotisation implicite, de ce point de vue-là, qui va être définie par les points d'inflexion de la décote et de la surcote. Et c'est un mécanisme qui est important parce que l'âge de départ légal à la retraite doit tenir compte aussi des gens qui commencent beaucoup plus tôt à travailler. La différence entre quelqu'un qui commence à travailler à 16 ans ou quelqu'un qui commence à travailler après avoir fait des études longues à 26 ans, il y a 10 ans de différence. Ça paraîtrait curieux qu'ils partent, qu'ils aient le même âge de départ à la retraite effectif, d'une part, et d'autant plus que l'espérance de vie généralement de celui qui a fait des études longues est bien plus élevée. Donc il y aurait une double injustice de ce point de vue-là. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte et intégrer et qui seront inscrits dans ce nouveau système qui comportera quand même probablement une durée de cotisation au moins implicite. Ouais. Après, dans ce qui n'est pas encore arbitré ou tranché, et c'est peut-être le point névralgique, le point le plus important, et c'est le cas de le dire, c'est la valeur du point. Comment est-ce qu'on fait pour transformer des points qu'on a accumulés, Xavier, pendant toute sa carrière, en euros sonnant et trébuchant, c'est-à-dire en pension de retraite? Et là, pour le coup, c'est le flou artistique. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont effectivement très flous. C'est quelle est la valeur du point, comment elle qui est lui-même décidée, évoluera d'ailleurs. Et comment elle évolue surtout. C'est-à-dire c'est en fonction de quoi elle évolue. Comment on calcule et après comment elle évolue. On peut imaginer des systèmes dans lesquels on ajuste la valeur du point, par exemple, à l'état d'équilibre du système. Comment on transforme des points en euros? Alors, comment on transforme les points en euros? Parce que je suis super, j'ai 25 000 points, yes, mais ça fait combien en euros de pension, quoi? Voilà, donc on a l'exemple du système de retraite complémentaire, Agirc-Arrco, où il y a une valeur du point qui est définie et qui évolue en fonction du temps, en fonction... On va reprendre la même architecture? Alors, c'est toute la question, parce qu'en fait... Parce que ça marche, pardon, les retraites complémentaires, que je sache, elles sont largement financées, il y a même un petit... Il y a beaucoup de questions qui se posent. En particulier, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on ajuste la valeur du point? Il y a deux valeurs du point. Hein. Il y a la valeur du point au moment où vous cotisez,
Et il y a sa conversion, la conversion des points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conversion. Au moment où vous sortez. Donc, la question, c'est de savoir, par exemple, est-ce qu'on peut ajuster la conversion de sortie en fonction de l'état d'équilibre du régime de retraite. Mais c'est bien ça l'objectif, on l'a compris. Ah, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas forcément ça l'objectif, parce qu'on peut gérer cette question de l'équilibre sur le moyen terme, parce que c'est-à-dire instantanément. Il n'y a plus d'intervention politique. C'est pour que le système s'auto... régule quelque part et s'équilibre, au moins, ben voilà, on dit ben, s'il y a plus de croissance, si les gens vivent plus longtemps, s'il y a moins de croissance, etc. Il faut bien voir que si on fait ça, imaginez que vous passiez par une grande crise, vous avez du chômage, moins de cotisations retraite qui rentrent. Ça induit un déséquilibre du système de retraite à court terme, pas nécessairement à long terme, mais à court terme. Est-ce que vous ajustez le point ? Pour ceux qui vont arriver à la retraite à ce moment-là. Pour ceux qui arrivent à la retraite ou pour ceux qui sont à la retraite ? Ouais. Ça, c'est deux questions qui se posent. Est-ce que tous les ans, ça pourrait être sa pension pourrait être revue ? Ça pourrait être pour ceux qui sont déjà à la retraite. Ça, c'est anxiogène. Alors, non seulement c'est anxiogène, mais en plus, c'est plus du tout l'effet contracyclique que joue le système de retraite, puisque précisément, on peut reporter la dette. Pourquoi on peut reporter la dette dans un système de retraite ? Parce qu'on a une assez bonne vision de quelles seront les cotisations retraite dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, on peut assez facilement financer un déficit et assurer un équilibre à moyen terme. Et donc, toute la question est de savoir comment on va assurer cet équilibre. Est-ce que ça sera une décision politique, une décision avec les partenaires sociaux ? Est-ce que ça sera une décision automatique avec des effets immédiats, y compris sur les pensions en cours ? Ça peut changer complètement la nature du système. Ouais, dernier point à voir, encore qu'on pourrait en parler pendant des heures, il y a aussi la question des pensions de réversion. Ça sera maintenu. La question, encore une fois, c'est comment on va les calculer pour le conjoint survivant ? Voilà. Donc ça, c'est une... Alors, les pensions de réversion, donc, pour que ce soit bien clair, hein, c'est quand un conjoint décède, monsieur. Et généralement c'est monsieur, celui qui n'a pas de retraite suffisante peut toucher une partie de la retraite de son conjoint. Oui. Ça s'appelle la pension de réversion. Donc la question est de savoir comment on calcule ça. Est-ce qu'on tient compte système. De la pension déjà acquise ? Est-ce qu'on a un système de pension de réversion qui est très généreux ? Ou est-ce qu'il est moins généreux ? On a des systèmes qui sont aujourd'hui assez différents entre les retraites privées et les retraites publiques. Donc, comment on fait pour uniformiser tout ça ? Voilà. Alors, derrière, il y a quand même aussi une survivance d'une époque où les femmes avaient des périodes d'activité beaucoup plus courtes. Si on prend en compte de façon assez importante les questions de congé maternité et de nombre d'enfants, on peut arriver quand même à faire disparaître la question des pensions de réversion à terme. Donc là aussi, la façon... Au travers d'une forme de rattrapage des pensions. Et surtout par la généralisation de l'activité salariée et professionnelle des femmes, et donc du fait qu'elles ont une retraite, quoi qu'il en soit, et qu'à ce titre-là, elles n'ont pas besoin d'une pension de réversion quand leur conjoint décède. Voilà, on n'a pas fini d'en parler de cette réforme des retraites. En tout cas, voilà, on a voulu voir un petit peu, distinguer ce qui a priori est dans les tuyaux, et puis tout ce qui reste encore arbitré. Il y a beaucoup, beaucoup de points, mais on en reparlera tranquillement ensemble. Il y a beaucoup de points, et puis il y a une question aussi un peu politique. Un certain nombre de gens ont peur que, durant l'été, le gouvernement prenne la main sur le dossier et fasse un certain nombre d'arbitrages. En catimini, c'est ça ? En tout cas, à huis clos, entre le Premier ministre, l'Élysée et Agnès Buzyn. Un des enjeux de cette réforme, c'est aussi qu'elle soit issue d'une forme de concertation, que la consultation soit un peu plus que consultative, et qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient déjà actées avant l'été, par un accord entre les partenaires sociaux et Delevoye et le gouvernement. L'avenir nous le dira. Merci en tout cas, merci Xavier pour ces commentaires. Xavier Thimbault, donc, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Avec plaisir, David.